J'ai vu deux. Hein, c'est possible. Deux, c'est possible. Pourquoi moi je suis un ordinateur et c'est toi qui me dirige? Non, t'es à droite. Non, je suis pas à droite, regarde, va à gauche. Ah ouais? Comment ça se fait que t'es rien du tout? Sais rien, moi. Tu peux pas tirer? Bah non, je peux rien faire. Regarde, j'ai même pas les boutons comme toi d'habitude, je les ai. Là, le jeu, on est revenu en mode vaisseau, mais dit non, mais toi tu dégages. Ah, attends. Ouais. Maintenant, bah fine blouson, chemise blanche. Je suis pareil que toi. Tu peux pas bouger. Ok. Atterrisser sur le suprématie. Ah, d'accord. Merci. Ah, j'ai quand même le droit de valider. Ouais, tu vois, Bah ouais. sérieux. À moins que t'aurais voulu me voir plus longtemps jouer dans l'espace. Non, non. Non, mais c'était pour savoir si là je suis encore là. Donc là, cette fois-ci, le truc vaisseau, j'avais pas le droit de le faire, quoi. Sinon, on m'a dit, va te faire foutre. Toi, t'es pas là. Ah bah voilà. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, on n'a pas vraiment l'air de faire partie du premier ordre. Comment on va faire pour atteindre la salle d'interrupteur du traceur? Bon. On va devoir s'introduire dans la laverie et emprunter des uniformes. C'est juste au bout du couloir principal. Dans la laverie, parce que tu. Il existe un autre chemin? J'ai pris DJ pour essayer, je sais même pas ce qu'il propose. Bah je sais pas, c'est censé être un décrypteur. T'es passé par où, toi, à droite? Je crois. Ah oui, t'es là. Y'avait rien? Non. Y'a un trooper dans le couloir. On va devoir le neutraliser. Ça ne risque pas de faire trop de bruit? Bébé 8, tu penses que tu pourrais créer une diversion? Bah alors, on a le hockey? Ça vaut le coup d'essayer. Non, j'éternue. Ah! Soit j'ai attrapé la crève, je sais pas comment. En pleine canicule, le mec il attrape la crève, normal. Oh, tu sais. Soit j'ai fait une allergie. Ah bah voilà, tu peux te fringuer maintenant. C'est pas moi, Finn. Bah, moi non plus. Je te laisse l'occasion d'utiliser Finn. C'était mon pied dans ta bouche. Ils sont plus nombreux. Encore au tir, maintenant. Comment ça, ils sont plus nombreux? On est que trois. Vous êtes censé être une ribambelle. Voilà, normalement, t'as tout le costume. Oh là. Ah, désolé, j'étais un peu en retard. Alors oh bah... si. Quoi? Tiens, je t'ai mis. Ah, oh. Pardon, je t'ai mis des vêtements partout. Ouais, j'ai entendu. Tu peux renvoyer. Ah, mais il y a des trous partout. Ah oui, ils arrêtent pas de pop. Il faut que tu prennes des vêtements. Je me suis fait tuer par un trooper. Eh, hey, mes vêtements! Bah alors, tu t'es défouté? Eh, hey, j'ai plus de casque! Ils vont me reconnaître! Bah quoi, j'ai joué mon rôle de trooper? Pour pas qu'ils me tirent dessus. Ah si, on a BB-8. Ouais. Je sais pas si on peut le choisir, mais on l'a. Si. Et non, et à pas confondre avec bébé crème. Ouais. Ah, j'ai joué. Des casse-têtes.
Ah, j'ai bien réfléchi. Je sais pas. Alors là, j'ai activé un truc. Ouais, je crois que tu as activé l'alarme, hein, parce que je l'ai éteint derrière. Ah, d'accord, c'était ça. Là-bas, c'est la salle de pause. Si on passe par là, on va avoir des soucis. C'est là, la laverie. On va devoir se dépêcher de rentrer avant que des troopers ne nous... Alors, les mecs, vous portez plus vos casques ? Mais j'étais déjà en troopers, moi. Maintenant qu'on est habillé comme il faut, où est-ce qu'on va? Par là. Oh là, y a quelqu'un qui a laissé les chaussettes. Ah, c'est lui. Pas mal, pas mal. Ces uniformes font l'affaire. Ça va aller. Et l'air détendu, mais pas trop détendu. Ouah, y a la repasseuse du futur. On arrivera à la salle. Il faudra combien de temps pour... Waouh. Pas longtemps. Salutations, amiral. Je vous ouvre la porte. J'arrive pas à croire que ces uniformes ont fonctionné. Ok. Je vous demande pardon. Rien. Retournez au travail. Oui, madame. Ouvrez la porte. Je suis amiral. Je me mouche pas du coude. C'est clair. Je croyais qu'il voulait m'ouvrir la porte. Pourquoi il m'ouvre pas? Ah, ça y est. J'arrive pas à le croire. On y est. Lieutenant, magne-toi. Parti pour le show. T'as pas besoin de moi aussi? Bah non, mais t'obéis. T'as un sous-vivre, t'obéis. C'est quoi ce connerie? Non, j'étais en train de faire de la lessive. Je suis amiral. T'obéis à l'amiral. Ah bah il parle de moi, il est en train de tout péter. Bah je vous attends. J'ai toujours pas... J'ai pas fait gaffe, mais je... Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Je sais pas. Je suis perdu moi. Alors là, j'ai envie de vous dire, vous m'en demandez trop. Si vous comptez sur moi. Lâchez vos armes immédiatement. J'ai fait un marché. Des navettes de transport de la résistance viennent de quitter le croiseur. Feu à volonté. Ah, mais on veut se débarrasser du vaisseau pour protéger la flotte, c'est pas ça, normalement? Ah, d'accord. Ah oui, et DJ il nous a balancé. Ouais. Bah voilà pourquoi je me rappelle plus de ces tracteurs. Le général Hux, je me rappelle vaguement. Il est temps que tu en... Et qui? Bah c'est le méchant qui est avec Kylo Ren normalement. C'est un genre de commandant. Ah oui. C'est celui qu'on voyait au début. Ouais. À jamais. À jamais. Ah mais ils ont pas fini eux. Waouh, incroyable. Ah oui, elle décide de se sacrifier, c'est vrai. Je comprends pas du tout ça. Enfin. Moi non plus, mais... Ah, capitaine Fantasma. Tricheuse, hein, bouclier. On peut partir. Allez, prenons un chasseur TIE et sortons d'ici. Tout à fait d'accord. Prenons un TIE et barrons-nous. Aïe. Je sais plus, mais je crois qu'il voulait lui faire tomber des chasseurs taille sur la tête. Bah, je pense, ouais. Mais comment? Oh, vise le point vert. Comme ça. Visez le point vert. Je vous domine. Écoutez l'autre. C'est bizarre, j'ai déjà entendu ça dans l'épisode 3. Toi la traîtresse. Ouais. Oh, ils sont juste devant nous. Ouais.
Un BB-8. Arrêtez ce marcheur. Maintenant. Mais là, tu fais des roulades. Oh la honte, il y avait même pas de prénom. Il s'appelle 2187. Là, il y a plein de piécettes. Je vois ça. J'ai déjà trouvé un. Je cherche un moyen de me sauver. Ah! J'ai activé un taille. Dans sa gueule. Comment ça, imbécile? Je t'ai mis un taille dans ta gueule. Faut être balèze pour faire ça. À la fois, t'es trop petite. Ouais. Ah bah ça y est, tu l'as tué? Non. Ah non. On lui a bouffé un morceau de barre encore. Ouais. Moi j'ai rien fait donc je sais pas ce que t'avais. Je t'ai pas vu faire. Ah oui Tu la maraves. Bon ça c'est pété. Là il y a un bébé 8. Il y a un mini kit qui traînait comme ça, c'est cool. Bien. Même pas besoin de faire des énigmes. Ah, il faut trouver 3 ballons noirs. Il y en a un au haut des escaliers là. Ah, je m'en suis fait un en haut des escaliers. Ah d'accord. Si t'en vois deux autres. Hein. Si tu veux des trucs en or, je crois qu'il faut balancer des grenades dessus, non? Ouais, normalement. Alors par contre, je vois pas la dernière phase là, ce qu'on est censé faire. Ah voilà, ouais. Je vais péter son bouclier à coup de canon et... Il y avait un canon au milieu. Bah j'ai tiré depuis tout à l'heure dessus mais ça faisait rien sur son bouclier. J'en connais une qui va... Non. Ah. Je pense qu'en fait il y avait un ballon dans chaque zone. Parce que là c'est la troisième zone. Ah merde, c'est tous. Ouais, me déglingue pas, grand-père. Mais je suis pas grand-père, je suis là, je suis fine. Chut, calme-toi. Y a pas plus jeune que moi. Ah, tu vois, j'ai eu le deuxième, mais je crois qu'il y en avait un sur la première zone et on l'a pas fait, c'est dommage. On est sur la première zone. Non, bah non, on est sur la troisième. Ah bah elle est morte. Dans un réacteur. Mais ah non. Mais non, c'est des phases. Tu l'as entamé, d'accord. Ouais, faut le faire 3 fois à chaque fois.
un peu d'artifice, on pourrait réparer ça si on avait un fusible. C'est trop fusible. Ouah, des lance-roquettes. Ah bah ça, tu lui déglingues bien sa gueule. Ah mais moi je suis pas là pour me marrer. Bon, un petit peu quand même. Allez. Tu n'es qu'une anomalie du système. C'est toi l'anomalie. Oh, t'as failli me battre. Tu m'as pris par surprise. Ah merde, j'ai toujours pas regardé Capitaine Phasma. Qui c'était. Capitaine Fantasma. Bah, je sais pas si elle est fantasme. On doit faire quoi? Avance, grand-père. On n'a pas le temps. Écrase-les. Toujours le temps pour essayez de s'enfuir. Pourquoi est-ce qu'on essaie pas de s'enfuir, nous? Tirez-leur dessus. On va trouver un moyen de s'enfuir. Attends, je détruis notre navette. C'est peut-être là qu'il y a un ballon. Oh bah t'as vu le bordel pour voir quelque chose. Mais si, souvent ils sont en hauteur, c'est pas ça? Les deux autres étaient en hauteur, ouais. Non mais je crois que j'en ai vu un dans la, je t'ai dit, dans la première phase du combat. Le problème c'est que je l'ai pas attaqué, je pense que c'était lui le premier. C'est pris pour un oiseau lui. Minéral Crète. C'est une base. Ah voilà, c'est là où il y a le truc avec ah bah oui. Par contre, la mer de sel. Les plans, j'ai trouvé que c'était cool le fait que le sol était rouge en fait et que quand tu ouais. Quand il passait avec les vaisseaux, ça. Oui, ça visuellement c'était joli. Ouais. Ouais, les effets, les visuels et tout ça. Ils ont pas merdé là-dessus. Par contre, bon, bon. Si, à part dans le 7. Dans le 7, on voyage sur Terre. Ah oui, c'est alors ça. Alors on a eu le droit à la forêt, la neige. Un désert, une forêt, un peu de neige, et puis voilà. Ouais. On a eu le Sahara, les Alpes. Ce sont pas voulés. Bah, dans les 4, enfin, dans l'épisode 7, on a eu les trois principales planètes principales de la première trilogie Star Wars. Bah oui. C'est-à-dire le sable, la neige avec Hoth et la forêt avec Andor. À ne pas confondre avec la ville d'Andor. La principauté d'Andorre. Qui est trompeuse, hein, parce que il n'y a même pas de Wookiee là. D'Ewok. Le nombre. Franchement, c'est hallucinant. Le nombre de personnes qui ont été là-bas. Et qui finalement, il y avait même pas un Ewok. Non, tu te fous de ma gueule. Il y a des gens vraiment qui ont pensé comme ça.
Bah, en tout cas, moi c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Quand j'y suis allé, bah c'est. Mais il n'avait pas. Et en plus, ils ont viré la forêt pour faire une ville. Vous pensez que vous pourriez aller sur le toit pour la réparer? Ah merde, en fait j'ai fait avancer le jeu alors que je pensais que j'étais en train de faire un truc secondaire. Bon, heureusement, vu que je suis perdu, oui, je vois ça, ouais. J'y étais tout droit, j'ai suivi des galeries et ben voilà. Oh, merde. Quelqu'un doit bien savoir comment faire ça. C'est bon, je s'occupe. Je s'occupe? Je s'occupe de tout. Pas sûr à propos de ça. Désolé. Ça va, ça a l'air plutôt grand ici. Mais il y a une porte ouverte. Je peux aller dehors? Il faut BB-8, ils disent. Ah non. Je crois. Semblerait. Attendez, c'est moi que vous regardez là? J'en ai pas la main. Et ils te font faire des trucs longs alors que bah, cette phase-là elle est ridicule dans le film. Non, mais c'est ça le délire dans le jeu des fois. Mais je comprends pas ce que je suis censé faire. Comment j'envoie le signal? Parce qu'ils disent qu'il faut un astromécano mais on en a pas. Alors je sais pas s'il y a que ça à faire mais je peux pas changer de perso. Pourtant ils disent bien que c'est là. Donc comment j'envoie un signal, moi? Oh, j'arrive. Je vais essayer de voir si je peux t'aider. Bah, je vois que là, si t'as une idée, c'est maintenant ou jamais. Ah, construire, attends. Peut-être que... Ah bah, attends. J'ai créé un trampolin, je crois. Ou un ascenseur, je sais pas, à côté de les trucs, à côté de l'échelle. Peut-être que c'était ça pour BB-8. Peut-être qu'il est en bas, c'est pour ça que j'avais pas accès à lui. Ouais, je crois que c'est ça, peut-être. Mais il est où ce con? T'as vu un BB-8, toi, quelque part? Non. Non, on est que nous deux. Il n'y a pas de BB-8 avec nous. Alors là, j'ai raté quelque chose. Je commence à avoir le cerveau embrumé. Alors là. Bah non. Hey, je suis tombé. Je sais pas, ils disent que c'est là. Moi, j'envoie un message d'alerte, moi. Alerte, alerte. Attendez, je vais réparer. Un marteau piqueur. Aucune idée, désolé.
Tu vas te calmer, ville rebelle. Je te vois. Moi, ils me disent de monter, mais je peux pas. Mais c'est pas par là. Je te vois, je suis aussi. Je peux pas accéder par les trucs. Ouais, je viens de voir. C'est pas par là, il faut sauter sur les petits cailloux. Tu suis les trucs jaunes, là. Regarde, voilà. Là, tu vas tout droit. Au fond, là, tu... Voilà, là, tu montes. Et là, j'ai mis un trampoline. C'est moins long que l'échelle. Non, mais il faut sauter dessus. Voilà, ils disent que c'est là. J'ai pas capté, j'ai raté quelque chose. Je comprends pas ce qu'il faut faire et on n'a pas d'astro-mécano. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. On peut changer comme on veut. On peut pas normalement, on est en mode histoire. En mode histoire, normalement, on n'a pas le droit de changer comme on veut. Ah bah bon, si. Ah bah ouais, dans le mode histoire c'est pas comme dans les autres Lego. Bah en fait c'est ce qu'il fallait faire je pense, non? Bah ouais. Bah, je vois pas pourquoi ils te le donnent pas, d'habitude ils nous donnent les persos. Bah oui, d'habitude. Je comprenais pas là. Parce que c'est dans le mode libre normalement que tu peux choisir les persos quand t'as besoin pour les trucs secondaires surtout. Non, on aurait pu faire tout. Ouais bon, c'est pas grave. Les mecs se sont pas foulés. Le signal de détresse est en train d'être transmis. Imaginez si personne ne répond. Bon, maintenant on doit aller où? Bah, je sais pas. Loin. Finn, monte un peu. Il faut que tu vois ça. Parlez avec Po. Il est où, Po? Bah, il doit être avec Tiki Winky. Là, là. Ouh! T'as pas de grappe, hein? Si. C'est parce qu'on peut pas utiliser les barres en même temps. Elles sont trop petites. Alors je me suis dit, je vais prendre ça en attendant. Ça me gonfle. Bah, enfin! Ah, on se fait attaquer. Ah mais c'est Rose en fait elle depuis le début, mais j'avais même pas tilté, je viens de capter cet équilibre. Je sais même plus c'est qui Rose. Bah je viens de capter vaguement moi. Alors après te décrire je pourrais pas te dire, mais oui c'est celle qui est dans le 8. Ouais. Mais c'est pas la meuf de... Ouais je crois que c'est une meuf, c'est celle qui veut sortir avec Po ou je sais plus avec qui. Finn. Ouais je sais plus, je sais qu'elle est une love d'un des deux, ouais il me semble. Skywalker fait ça pour qu'on puisse survivre. Un donut Simpson. Suivez-moi. Vous êtes revenu pour m'accorder votre pardon? Pour sauver mon âme? Ah! Non. Ah, d'accord. Je suis carotte, moi. Mon sabre laser est bien allumé. Oh putain, je peux même pas jouer, c'est un QTE. Mais là, là. Je te jure, j'appuie sur des touches en fait.
j'ai échoué, Ben. J'en suis désolé. Je n'en doute pas. Voilà. Je sais pas, moi, ça me dit trouver un chemin. Vous avez appris de nouveaux tours ? Encore ! À vos ordres, suprême leader. Loupé. On peut pas le casser ? La résistance est morte. La guerre est finie. Et quand je j'aurais vaincu le dernier Jedi. Incroyable. Toutes les paroles que tu viens de prononcer sont fausses. Comment est-ce possible ? Je vous ai touché. Touché, c'est vague. Continuez ! Feu à nouveau ! Moi, ça, il veut toucher... Je vois que la clandestinité ne vous a pas ralenti. Peu importe. Je fuirai par le bas. Votre résistance est presque admirable et incroyablement frustrante. Comment est-ce possible ? Que se passe-t-il ? La rébellion vient de renaître aujourd'hui. La guerre ne fait que commencer. Et je ne serai pas le dernier Jedi. Alors pourquoi vous me faites chier alors ? Je suis censé faire quoi, moi ? À suivre les points, hein ? Trouver un chemin. Bah ouais, j'essaye de trouver des chemins. Ah bah ça doit être ça, une foreuse. Ouais, ça peut aider ça. C'est parti. Oh merde, mais j'ai fait forêt. En gros, moi j'ai tout fait, c'est toi qui as le droit de casser des trucs. Je trouve ça un peu dégueulasse. T'es obligé de faire seulement ce quand ils me le disent. Oui, mais c'est moi qui me suis fait chier à faire tout le truc pour construire la forêt, quoi. J'ai même pas le droit de casser tout pour me faire du bien, me soulager. En plus, je dois marcher. Oh, ça me fait vraiment travailler les pectoraux. Ah, il y a ma biquette. Comment ça, il y a ta biquette ? Je sais pas, je suis une genre de chèvre là, ou je ne sais quoi. T'as un chien ? Non, non, non ! Il y a quelqu'un ? Et comme par hasard, il est là. Bah, écartez-vous, je vais pousser. On est tellement proches. Oh le lag. Ouais. Abat-moi dans un accès de colère et je te rentrerai à jamais. Tout comme ton père. Et ouais, petit malin. Il était pas là. Merci. Non. On se reverra, mon grand. Petit clin d'œil. Fin.
Il est mort. Luc nous a quittés. Je l'ai senti. Je l'ai senti aussi. Comment rebâtir une rébellion à partir de ça? Je pense que nous avons l'essentiel entre nos mains. Ah oui, c'est vrai que lui c'est un Jedi. Je l'ai oublié aussi. C'est qui? Bah c'est le Chou. C'est... c'est Chou qui était dans l'écurie qui nous aide quand on veut s'évader avec Finn et Rose, je crois. Oh, je me rappelle même pas de lui. Je me rappelle que le Chou à la fin il... un assaut assez salé. Il prend le balai avec la force. Et tu dis, oh, c'est un Jedi. Ah, et on le revoit pas dans. Je crois qu'on le revoit pas dans l'épisode juste après. Bah, et on ne sait même pas s'ils vont en faire quelque chose. Je sais même pas s'ils vont en faire quelque chose. Bah, on le saura peut-être un jour. Hein. Bon, bah voilà, terminé. Ouais. Presque 50%, pas mal. C'est correct. Il nous reste plus qu'un épisode à faire donc pour finir ce jeu. En tout cas, le mois d'histoire. Oui! Pour cette saga. Oui, cette saga. Voilà. La saga Skywalker. Donc,